Salut les louveteaux! Alors aujourd'hui en cuisine, nous allons faire des œufs de caille façon Kromeski. Vous allez voir, c'est génial pour l'apéro, ça marche, ça match à tous les coups. Pas compliqué, voilà la liste des ingrédients. On y va, c'est parti. Je vais faire bouillir de l'eau dans laquelle j'ai mis du sel et une pointe de vinaigre blanc. Ça va nous aider à attaquer un petit peu la coquille de l'œuf de caille. Qui reste assez collée et donc du coup elle va être plus poreuse et plus facile à éplucher. Donc on attend que ça boue, on les met pas avant et en fait on va venir les cuire 3 minutes 30, pas plus. Allez, c'est parti, mon obou, on y va gaiement. Je pose mes œufs dans ma louche comme je vous ai dit. Voilà, voilà, j'en ai une petite douzaine. Alors moi je les achète sur le marché. Il y a toujours des petits monsieur, des petites dames hein, aussi des fois, qui vendent leur petite production. Bon, moi c'est ce que je fais, voilà. C'est bien sympa. D'ailleurs, le monsieur était vraiment très sympa. Je vais toujours au même en fait. J'ai confiance, j'en ai jamais eu un qui n'était pas frais. Donc, voilà, c'est parti pour 3 minutes 30. Chrono. Ça y est, les 3 minutes 30 sont passées. Au préalable, j'avais préparé forcément une eau glacée, je veux dire, et on les sort et on les met directement dans l'eau glacée pour stopper la cuisson. Y'a ça, tout le monde y est, hop là, et voilà. Donc là, avant de les écaler, il va falloir attendre que ce soit froid. Bon, alors nos autres cailles ont refroidi, maintenant on va tout simplement les éplucher, les écaler. Je vais vous faire voir comment il faut faire. Alors un petit coup, une petite pression. Hop, vous tournez, voilà, en appuyant, il faut que ça croustille. Ensuite, partez la partie la plus haute de votre œuf, tout simplement, vous tirez dessus, voilà, avec votre pouce et votre index de la main gauche, ou l'autre si vous êtes droitier, voilà, vous venez tout simplement pincer et tirer. Sur, voilà, alors du fait que j'ai mis du sel et forcément du vinaigre, ça m'aide vraiment bien à les éplucher. Alors si vous avez un peu de mal, vous les faites dans l'eau, d'accord. On rince bien sur l'œuf, hop, on le met de côté. Bon, ben voilà, on a 12 à faire, amusez-vous, hein. Je vous refais voir, hop, 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 hop. Sur la tête, hop, alouette, hop, hop. On commence par le haut, c'est-à-dire le bas, par le côté le plus gros. On pince, on tire, voilà, et on tire. Hop. Alors s'il y en a certains qui sont récalcitrants, n'hésitez pas à les tremper dans l'eau comme je vous ai dit. Voilà, lui, il va le faire. Surtout, n'oubliez pas de les rincer avant de les poser de côté. Voilà. Ça va très vite quand c'est comme ça, hein. Quand ils sont bien faits. Voilà, on y va. Pendant ce temps-là, vous avez mis votre huile à chauffer, la friteuse. Bon, donc, une fois qu'ils sont tous écalés, voilà, super résultat. On vient tout simplement les rouler dans la farine. Alors on les roule bien. Ensuite, dans l'œuf. Alors là, moi j'ai pris qu'un blanc d'œuf parce que j'ai eu besoin de du jaune pour autre chose. Voilà. Et là après, directement. Ça accroche mal. Et ça c'est parce que voilà, j'ai pas de jaune. Voilà, vous faites comme ça pour tous les œufs. Donc farine d'abord. Blanc, enfin jaune, enfin œuf, pardon. Hop. Voilà.
Bon voilà, vos œufs sont panés, maintenant il ne reste plus qu'à les passer en friture. Moi j'ai opté pour 180 degrés, je vais peut-être baisser un tout petit peu, 160, 70. Il faut vraiment les laisser pour qu'ils soient dorés, pas pour trop longtemps, sinon votre œuf à l'intérieur, votre jaune va être carrément surcuit quoi. Donc voilà, c'est parti. Bon voilà, sortie de friture, ce que vous devez obtenir, c'est très chouette. Je vais en couper un devant vous, pour que vous puissiez voir comment il se tient à l'intérieur, comment il est. Alors, je les ai salés aussitôt, hein, faut pas oublier de les saler, aussitôt qu'ils sortent. Voilà. Et regardez, maintenant, la cuisson du jaune est excellente. Je parle en œuf dur, hein. On ne cherchait pas un mollet, on cherchait un œuf dur. Elle est encore un peu crémeuse, mais à l'intérieur, c'est génial. Donc voilà. Vous avez réalisé des croquettes d'œufs de caille. Vous pouvez les appeler les cromeski. Les louveteaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous notez 3-4. Bon les louveteaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous régalerez aussi en mangeant ces jolis petits œufs de caille. N'hésitez pas à balancer vos coms et liker, abonnez-vous et puis partager si c'est possible. Voilà. Allez, joue les louveteaux. J'oubliais quand même, voici le dressage que j'ai fait. Voilà, amusez-vous. Hein. C'est pour ça qu'il me manquait le jaune dans le blanc d'œuf. Tout simplement parce que j'avais préparé une mayonnaise justement pour faire mon dressage. Voilà, voilà. Allez, amusez-vous bien. Tchuss les louveteaux.